je m'appelle Maria Kondrat. J'arrive en Pologne et j'habite plus presque 30 ans en Belgique. Ivanka, j'ai rencontré dans Bras-dessous. Je cherche là-bas un petit peu chaleur humaine, contact, parce que mes voisins, ce n'est pas beaucoup contact. C'est famille loin, jusqu'à une fille ici, il toujours travaille. Et Ivanka, tout près, c'est tout vraiment bon arrivé. Nous parle polonais. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est arrivé au ciel ou. Well, my name is Ivanka. I've been living in Belgium for around 12 years, and I work as a volunteer for organization Bras-dessous. And through the organization, I met Maria like around a year ago. Besides that, I work as a teacher, and I have family and I have two kids. Bras-dessous, c'est une association qui vise à répondre au sentiment de solitude qui est exprimé par des personnes âgées qui vivent encore à la maison, mais qui sentent, voilà, qui se sentent seules et qui ont envie de retisser des liens avec des voisins plus jeunes ou pas dans le quartier. Et donc en fait, ce que le projet fait, c'est créer essentiellement des duos ou des trios de voisins qui vont en fait partager du temps ensemble dans leur quartier, à la maison de l'un ou sur le petit banc en face ou dans le parc à côté. En fonction des atomes crochus et des envies, des choses qu'ils ont envie de partager ensemble. Les statistiques en Belgique, elles montrent que 23% des personnes âgées se sentent vraiment seules et ont envie d'être accompagnées. J'ai beaucoup aimé enfant Ivanka, Boris et Ida. Et première fois, j'ai vu comment il, je sais pas, je m'appelle pas. Mais si je suis de toi, albo. Ah oui. C'était première fois, était anniversaire Ida. Année passée, était anniversaire Ida et Ivanka téléphonait chez moi si elle peut arriver avec sa petite fille à porter pour ma part gâteau. Anniversaire. Et après, tout de suite, et après, était anniversaire Boris. Il arrivait chez moi tous les trois. Je préparais une petite carte, petit cadeau, je ne sais pas, quelque chose de petit par ailleurs. Et comme ça, et je suis vraiment content. J'attends. Je donne pour ma motivation, pour vie, j'ai quelqu'un. Petit enfant, comme nous promène, il est comme ça, embrasse-moi. Ça, c'est touchant. Je donne bisous sur les cheveux. Et ce dessin, et Ida, fille Ivanka, et Boris, ce fils Ivanka. Je toujours demande écrire date 2001 parce que peut-être il vient comme il grand, il voit toujours ce dessin. Chaque fois comme il vient, il écrit Boris, Ida, pour Maria, merci Maria, parce que je toujours faire quelque chose, plaisir, petit. Ça c'est écrit polonais, de là c'est pour. Elle écrit pour Maria, c'est de là Maria. It's important to me because I don't have my parents here and having someone with a great life experience, it's quite helpful. I think also like I decided to join the organization at the beginning of current situation of pandemic and I think it was quite important because I think it like people who of Maria's age, like people of that generation, went through difficult periods in life. They like they lived after Second World War and they had to deal with a lot of issues that are a bit unknown to us, and having that perspective, I think it helps also us to maybe see things a bit in a different way to like overcome certain situations. So I think that life experience is very beneficial to younger people, and also I think for my kids, I think I give them sort of a good example of how they should treat elderly people in our society.
En fait, les aînés, les aînés retrouvent l'occasion de complètement remettre leurs pattes et leurs mots sur tout ce qu'ils font. Donc, ça va depuis le départ, à partir du moment où ils nous contactent, quand eux expriment l'envie et ont envie de retisser le lien, à ce qu'ensuite, dans la relation de duo qu'ils ont avec leurs voisinés, ils vont partager leur expérience, leurs histoires, avoir leur mot à dire sur ce que le jeune leur raconte et pouvoir y amener, bonifier en fait ce qu'eux entendent avec leur propre vécu. Les gens se remettent en mouvement parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire et ils ont mille choses à dire, quoi. Mais isolés comme ils sont, ils ont rarement l'occasion d'avoir l'espace pour ça, en fait. Et c'est ce que ce genre de projet amène aussi. Il permet aussi de donner ou de redonner une voix à des aînés qu'on a trop tendance à mettre de côté habituellement. Ah oui, le petit doigt. Le petit doigt dans le nez. Ah oui, c'est tous les deux. Le ça, doigt, c'est amusant. Le doigt qui encourage. Le doigt dans le nez, le doigt malin. On n'est pas obligé de mettre les cinq. Non, on verra. On n'en mettrait qu'un ou deux, on verra. On peut aussi mettre... Les plus importants. Dans le texte, on peut aussi mettre les cinq, mais illustrer les plus importants, par exemple. Ah ben oui. Le projet Expression de Sagesse est un projet qui vise la valorisation et la transmission de l'expérience des aînés à travers notamment la réalisation de livres pour enfants. Alors c'est un processus qui se fait sur plusieurs mois. On commence avec des ateliers d'écriture, en général en maison de repos ou en université du troisième âge. Et au terme de ces ateliers d'écriture, en général, je propose aux personnes de choisir un message, quelque chose qu'ils ont envie de transmettre, et autour de ce message, d'inventer et d'écrire une histoire. Alors, lorsque cette histoire est écrite, je leur propose, je les invite à travailler en collaboration avec un jeune illustrateur ou une jeune illustratrice, et chaque binôme intergénérationnel va créer un livre. Et au début de chaque livre d'expression de sagesse, on va retrouver le duo en photo. Et on va pouvoir, à la fin du livre aussi, il y a un petit lien et on donne la possibilité en fait, aux enfants de laisser un message aux illustrateurs, aux auteurs qui ont collaboré au livre. Par exemple, je pensais pour « Il y a des mains par le monde ouais. », des mains noires, des mains blanches, ouais. « Il y a des mains par le monde ouais. ». Des mains qui font peur, je m'étais amusée à faire des petites araignées avec mes mains. Et donc, faire des choses plus brutes. J'étais très inspirée de participer à ce projet d'expression de sagesse. D'une part, parce que rien que dans ma pratique artistique, la rencontre, c'est ce qui est à l'origine de tout ce que je crée. Et puis parce que j'ai toujours eu une relation très proche avec mes aînés, que ce soit mes grands-parents. Ils ont tellement de choses à nous transmettre, à partager. Et puis, travailler avec quelqu'un de différent, en fait, c'est la promesse de créer quelque chose de différent aussi. Donc, voilà. Et puis, j'ai rencontré Anne et le courant est passé tout de suite, super bien. Et donc, voilà, j'ai hâte de voir ce projet grandir parce qu'on ne sait pas encore très, très bien où on va. Mais, et voilà, puis, c'est... ce qui intriguait, c'était intergénérationnel. Donc, une personne âgée et une jeune. Et ça, je crois que c'est quelque chose, à notre époque, qui doit frapper certaines personnes. Il faut leur montrer que, ils le diront, que leurs mains, elles ont tellement d'importance beaucoup de choses, et même pour donner du plaisir à d'autres, pas rien que personnel. Donc, plutôt le et partage, alors. Leur montrer surtout l'importance de la nature. Et il faut dire que ces jeunes enfants vivent dans cette période qui est quand même une période pas facile pour eux, et il faut quand même leur donner, dans certaines dessins ou paroles, l'espoir d'avoir encore de bons moments. Une fois que le projet est pratiquement abouti, on a une équipe au sein d'Expression de Sagesse, une psychopédagogue, des relecteurs,
qui vont, eux, s'assurer que tout est OK pour le livre. Il y a un travail d'édition qui est fait. Et puis, on va imprimer ce livre et ce livre sera distribué soit en bibliothèque, soit dans les, enfin, soit et aussi dans les librairies. Et on peut également proposer des ateliers de rencontres entre l'aîné et le jeune artiste ou la jeune artiste et les enfants dans des classes. Et cette dynamique-là, elle est vraiment importante, de se dire que nous, on peut faire effectivement beaucoup de choses pour les aînés, mais les aînés peuvent faire énormément de choses pour nous aussi. Et dans notre société, il est aussi temps qu'on laisse la place à ce que les aînés ont à partager avec nous. Il faut dire que ces enfants qui vivent toujours enfermés ont besoin de... Mais la créativité, ça peut se faire. Parce que même faire un bonhomme de neige, mais oui. Ou du land art, hein, tu sais, faire des petites œuvres d'art avec des petits cailloux. Ou des petits chemins avec des petits cailloux. Ce qui est super, au fond, c'est vers intergénération, mais au fond, on est ravis. Hein, ah là. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et on se découvre des points communs qui, à mon avis, vont peut-être même pouvoir venir en. Et ce ne sera sans doute pas le premier. À mon avis, non. On va déjà essayer de le finir, celui-ci. Oui, oui ça prendra du temps. On a déjà du pain sur la planche, hein, mais oui.